Bonjour à tous et bienvenue à la 100e édition du Elena Show. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Dans cette émission, j'accueille des invités particuliers qui sont partis braver des conditions extrêmes. Et aujourd'hui, j'accueille deux journalistes d'investigation, Célène et Lucas. Ouais, je suis un peu centrée. Célène et Lucas, qui, eux, sont partis braver les conditions des profondeurs océaniques et qui sont partis interviewer des organismes, des monts hydrothermaux. Je vous prie donc de les accueillir chaleureusement. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, nous sommes très enchantés. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Célène et Lucas, ils ont écrit un article scientifique qui a été publié dans le blog Sébionium. Il s'appelle « La colloque de l'extrême ». Mais d'abord, je vais vous poser une question. C'est quoi un mont hydrothermal de base ? Bah alors, en fait, un mont hydrothermal, c'est une sorte de cheminée sous-marine par laquelle vont sortir en fait des fluides qui viennent du centre de la Terre et qui sont donc extrêmement chauds. Et donc, ces monts hydrothermaux, on les retrouve le plus souvent donc près des dorsales océaniques, c'est-à-dire au point de rencontre des plaques tectoniques. Ah, mais si. Mais pourquoi ces organismes vous ont intéressé ? Qu'est-ce qui a fait que vous vouliez les intéresser ? Eh bien, en fait, il se trouve que les monts hydrothermaux sont situés à plus de 2500 mètres de profondeur et que, du coup, la pression qui s'y trouve est énorme. De plus, les fluides qui sortent de ces cheminées peuvent avoisiner les 400 degrés, ce qui n'est pas rien. Mais ce n'est pas le point le plus impressionnant. C'est que tous ces organismes vivent dans le noir total, car à cette profondeur, il n'y a aucun rayon du soleil qui arrive. C'est donc un environnement extrême, et nous nous demandions comment peuvent-ils survivre et se développer. Mais si c'est un environnement aussi extrême, comment vous avez fait pour y aller ? C'est clairement pas possible. Bah donc, on n'est pas vraiment descendu dans les monts hydrothermaux. Donc, en fait, on a interviewé donc, un crabe yéti qui s'appelle Klaus. Ah oui, j'ai déjà entendu parler de ce crabe. Il est tout blanc, il a des poils sur les plus creux. Oui, oui, c'est ça, c'est exactement lui. Bon, il n'est pas seul. Après, il a aussi d'autres colocataires. Donc, il y a, par exemple, Valérie la bactérie, Joshua le riftia, ou encore la dernière, mais non des moindres, Camille la magnifique anguille. Ah oui, mais ça m'étonne beaucoup parce qu'une bactérie aussi petite que Valérie, c'est bizarre. Comment elle peut être si importante dans cette écologie ? Oui, ben, c'est une petite bactérie. Après, toute seule, elle fait pas grand-chose. C'est... Vous savez... Mais donc, en soi, donc mon collègue vous dit que Valérie, elle n'est pas très importante et moi, je suis pas du tout d'accord avec lui. Parce qu'en fait, bah, Valérie, sans elle, et bah, tous les autres organismes des monts hydrothermaux, bah, ils ne seraient certainement pas en vie. Parce qu'il n'y a pas de lumière dans les monts hydrothermaux, donc pas de photosynthèse. Et donc vous me direz, mais d'où vient l'énergie ? Eh bien, ce sont ces petites bactéries qui vont récupérer le sulfure qui sort des fluides et qui vont en faire du sucre. Et ce sucre va servir à nourrir des espèces comme les riftia, les crabes, les anguilles et plein d'autres dont je ne vous parlerai que plus tard. Oui, bon, c'est un peu ce que je sous-entendais. Hein. Oui, bon, ça suffit. Hein. Du coup, depuis ce matin, vous parlez de riftia, mais c'est quoi un riftia ? Bah, un riftia, au départ, c'est une petite larve qui fait quelques millimètres, qui, si elle arrive à se fixer sur un rocher des monts hydrothermaux, peut alors se développer, grandir, dans sa coquille qui est en forme de tube. Et elle pourra alors atteindre des tailles avoisinant les 2 mètres de longueur. Mais le point le plus impressionnant chez les riftia, c'est qu'ils sont capables de cultiver à l'intérieur d'un petit organe, enfin petit, plutôt gros pour eux, ils sont capables de cultiver des bactéries telles que Valérie. Et du coup, on dit que ces organismes ont une relation de symbiose, c'est-à-dire qu'ils vont s'entraider mutuellement pour survivre, ils ont besoin l'un de l'autre. Le riftia va récolter, avec son petit plumeau tout rouge, il va récolter des éléments dans l'environnement, tels que du dioxygène ou du sulfure, pour les donner à Valérie, qui en échange lui rendra du sucre et du diabète. Bon, évidemment, ça marche à peu près de la même façon pour Klaus, c'est-à-dire que lui aussi va se nourrir grâce aux bactéries. Donc en fait, elles vont être situées donc, sur ses bras poilus, et il va monter tout en haut des monts hydrothermaux, et il va mettre ses bras dans les fluides, et ça va récupérer du sulfure, et à ce moment-là, bah, les petites Valérie, elles vont pouvoir faire du sucre, et ça va le nourrir. Ah ben, du coup, dans toute cette histoire, les anguilles, elles servent à quoi ? Eh ben, vous vous souvenez des riftia dont je parlais tout à l'heure ? Bon, ils doivent s'accrocher aux monts hydrothermaux. Mais le problème, c'est qu'il y a déjà quelque chose. Il y a déjà des mollusques. Des mollusques, ben, tels que des patelles. Mais du coup, c'est là qu'interviennent les anguilles, telles que Camille. Elles vont venir manger les patelles. Les dévorer, tout simplement.
Et comme ça, les Riftias peuvent s'installer. Et donc, les Riftias et les anguilles vont pouvoir cohabiter ensemble dans le beau monde. Ah ben, c'est un peu le monde des bisounours, tout ça, ça fait un peu plus chaud au cœur. Hein. Bon, bah, je suis désolée de vous décevoir, mais c'est pas vraiment le monde des bisounours. Comment ça ? Eh bien, en fait, il y a de la prédation. La prédation ? Et oui, car il y a encore des organismes dont on ne vous a pas parlé, comme par exemple Paul le poulpe. Eh bien, lui, il va se nourrir principalement de crabes, comme Klaus. Mais ce n'est pas le seul. Par exemple, les anguilles, telles que Camille, vont se nourrir de patelles. Et finalement, il y a les crabes. Donc Klaus, contrairement aux Riftias, n'est pas considéré comme dans une relation de symbiose avec les bactéries comme Valérie, parce que ça arrive assez souvent qu'au final, il les mange. Voilà. Mais du coup, il y a encore un dernier organisme dont on ne vous a pas parlé et qui est pourtant présent en abondance dans les monts hydrothermaux, bah c'est les crevettes. Mais les crevettes, en fait, c'est un peu les grosses victimes des monts hydrothermaux parce qu'elles se font manger par tout le monde. Ben, ça perd son charme, tout ça. Hein. Oui, mais après, ça serait dur de trouver un environnement où il n'y a pas de prédation et où tous les animaux vivent en harmonie. Oui, voilà, parce que ce qui compte, c'est qu'ils aient trouvé leur équilibre. Et aujourd'hui, de ce qu'on a pu comprendre selon les dires de Klaus, eh bien, il y a un équilibre qui a été trouvé dans les monts hydrothermaux et la vie se maintient. Et pourtant, c'est un endroit extrêmement extrême, donc c'est assez étonnant. Ah ben, grâce à vos explications, je comprends un peu mieux comment tous ces organismes, ben, ils arrivent à vivre en symbiose, ils arrivent à vivre tous ensemble dans le même environnement. Merci beaucoup à vous. Merci. Mais de rien. Attends, on va...